une prière que nous sommes en train de faire avec toi. Et Dieu va changer toutes choses de ce soir. Alléluia. Vers toi, je veux avancer. Oh, viens changer toutes choses. Viens les changer, Adonai. Viens les changer, Jésus. Nous ne connaissons pas toutes ces choses, mais nous soupirons après le voir changer. Au nom puissant de Jésus. Père, c'est ça le feu de notre cœur. C'est ça le souhait que nous sommes en train de mettre devant toi. C'est ça les prières que nous sommes en train de faire monter devant de toi ce soir. Que ces choses changent. Alléluia. Commence à parler en langue. Commence à prier en esprit. Que Dieu qui change les choses, qu'il les change ce soir. Qu'il bouleverse les choses. Dieu peut changer l'ordre des choses en créant un désordre pour toi. Mais selon sa pensée, c'est l'ordre qu'il veut imposer. Seigneur, acclame comme quelqu'un qui verra les choses changer. Alléluia. Alléluia. Oh, tape la main de ton voisin. Dis-lui, ce soir, les choses vont changer. Dis-lui avec foi que les choses ne resteront plus jamais telles qu'elles étaient. Elles vont changer. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Merci, Saint-Esprit. Merci, Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Nous sommes là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'il bénisse aussi notre chorale. Je veux rester avec le claviériste. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes dans Watchman Convention. Je ne sais même pas si je prononce ça bien. J'espère que c'est ça. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ce temps, pour cette opportunité qu'il nous accorde. Et aussi un grand merci à notre papa et à notre maman pour cette marque de confiance, pour cet amour qu'ils témoignent vis-à-vis de notre personne. Vous savez, une fois d'ailleurs je le dis, il y a quelqu'un qui est le travailleur dans cette œuvre et nous sommes ses laboureurs. Alléluia. David a dit, les laboureurs ont travaillé sur mon dos et ils ont trouvé des sillons ou des rivières tout tracées. Si nous sommes là du haut de cette chair, c'est parce que nous sommes en train de travailler sur le dos de notre papa. Et en tant que laboureur, nous devons être reconnaissants. Merci beaucoup, papa, pour cette marque de confiance. Et à maman aussi, merci aux anciens. Merci à John et à tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Et aussi à Paulin, nous allons travailler avec lui ce soir, le pasteur Paulin, notre pasteur de l'église de Lubumbashi. Est-ce qu'on peut se tenir debout par respect des Saintes Écritures. Nous allons lire quelques portions des Écritures et puis nous allons prier, nous allons prêcher. Nous sommes dans 1 Roi 18. Nous allons lire le premier verset jusqu'au sixième verset. 1 Roi 18. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit, plusieurs jours après qu'il arriva
de la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en la troisième année, en disant, « Va, montre-toi à Akab, je te donnerai la pluie sur la terre. » Élie donc s'en alla pour se montrer à Akab, et il y avait une grande famine dans la Samarie, et Akab avait appelé Abdias, son maître d'hôtel. Or, Abdias craignait fort l'Éternel, soulignez bien ça, car quand Jézabel exterminait le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et les cacha 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les y nourrit de pain et d'eau. Et Akab avait dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les fontaines d'eau et vers tout le torrent. Peut-être que nous trouverons des lèvres et que nous sauverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous ne laisserons point dépeupler les pays des bêtes. Nous allons également lire Juges. Juges 13, 24 à 25. Juges 13, 24 à 25. La Bible dit, puis cette femme enfanta un fils et elle l'appela Samson. Et l'enfant devint grand et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença de les saisir à Manaédan entre Taoa et Estaol. De là aussi lire Juge 14, juste le premier verset, la Bible dit, or Samson était descendu à Timna. Et il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Nous allons également lire Actes des Apôtres 7, le verset 57. Actes des Apôtres 7, le verset 57. La Bible dit, alors ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent, retenez ça, bouchèrent les oreilles, et tous d'un commun accord, ils se jetèrent sur lui. Le tout dernier verset, nous allons lire Proverbe 5, 15 à 16. Bois des eaux de ta citerne et des ruisseaux du milieu de ton puits, que tes fontaines se répandent dehors et les ruisseaux d'eau par les rues. Dans d'autres versions, on dit dans des places publiques. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'y remettre. Acclamons la parole du Seigneur. Et je dis aussi un grand merci à ma fiancée. Je crois qu'elle est là. Que Dieu la bénisse. D'ici là, je vais l'épouser au temps présent. Alléluia. Je crois qu'elle est là. Nous allons parler sur un thème, je n'ai pas vraiment trouvé de thème exact, mais je crois, je veux parler sur ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la place du Saint-Esprit dans la prière. Mais je veux parler sur ce thème, ce que le Saint-Esprit fait. Mais avant d'aborder cela, j'aimerais nous donner deux dimensions de la prière que j'ai découvert ces derniers temps. La première dimension de la prière, ce sont des prières que le mot hébreu qui traduit cela est le suivant. C'est le mot bakasha. Dis avec moi bakasha. Bakasha, c'est le fait de prier et de demander à Dieu. C'est le fait de prier par des supplications, des prières avec des actions de grâce. C'est de chercher la face de Dieu. C'est de venir pendant de telles conventions et d'être quelqu'un qui a la faim et la soif de chercher Dieu. C'est ça, Bakasha. C'est ça, la façon dont nous exprimons notre façon de chercher Dieu. Et la référence biblique qui s'attache à cette dimension, c'est Matthieu 7, le verset 7. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Priez,
Plutôt demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, et on va ouvrir pour nous. Le problème avec cette dimension de la prière, c'est que la dimension de Bakasha ne met pas trop d'accent sur notre intimité avec le Seigneur. Ne met pas trop l'accent sur notre communion ou notre relation avec Dieu. Mais au moins, c'est une dimension où nous sommes pressés, nous avons l'envie, nous avons la volonté de chercher Dieu sans pour autant commencer d'abord à traiter notre relation avec Dieu. Et Jésus-Christ qui a dit cette dimension, il a dit quand tu vas prier, rassure-toi que Dieu va t'exaucer. Quand tu vas demander, rassure-toi que Dieu va te donner. Quand tu vas frapper, rassure-toi que la porte que tu as frappée, on va l'ouvrir pour toi. Et quand tu vas chercher, rassure-toi que ce que tu cherches, tu vas le retrouver. Mais la difficulté ou le problème, c'est que ce n'est qu'une dimension qui ne te lie pas totalement avec le Seigneur. C'est ça le Bakasha. Et beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette dimension. C'est une dimension, mais elle est la plus petite. Parce que là, tu es pressé à demander à Dieu. Tu es pressé que Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Tu es pressé que Dieu répond à ce problème dont tu as. Mais tu ne vérifies pas ta relation avec le Seigneur. Tu ne vérifies pas ta communion avec Dieu. Et bizarrement, Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, te promet d'ouvrir pour toi les portes. Te promet de t'accorder ce que tu le demandes. Mais bien-aimé, pour te rappeler l'ordre des choses, c'est que ce n'est pas la dimension qu'il te faut. Et parmi les dimensions que je veux te donner, c'est la plus faible. Les prières qui se contentent de seulement attendre Dieu lui accorder ce qu'il veut ou ouvrir pour lui la porte qui était fermée. Du reste, une porte peut s'ouvrir, mais ce n'est pas toutes les portes qui sont ouvertes. Tu peux demander, on te donne, mais on ne t'a pas tout donné. Alléluia. Tu peux chercher et trouver, mais n'est pas tout trouvé. Alléluia. Voilà pourquoi la deuxième dimension, c'est la dimension qui est traduite par les mots hébreux, Tessila. Dis avec moi, Tessila. Avec les Tessila, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu pries, non seulement tu jeûnes, non seulement tu cherches la face de Dieu, mais dans les Tessila, tu privilégies d'abord ta relation avec le Seigneur. Tu renforces d'abord ta communion avec Dieu. D'abord Dieu, avant l'exaucement de ta prière. D'abord Dieu, avant tout ce que tu aimerais que Dieu te donne. Et vous serez d'accord avec moi dans ceci. Une fois, les disciples posent à Christ la question de savoir qu'il devait les montrer comment est-ce qu'il devait prier. Écoutez la réponse de Jésus. Christ dit, vous allez prier de la manière suivante. Vous commencerez à dire d'abord, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, ce Père va vous accorder votre pain quotidien. Vous allez remarquer une différence entre la première dimension et la seconde. C'est que dans la seconde, Jésus-Christ ne te dit pas. Tu serais d'abord en train de te précipiter à frapper ou à demander ou à chercher. Tu serais d'abord en train de comprendre qu'avant que tu aies ce que tu veux, il faut que tu te connectes à ce Père qui est au ciel. Alléluia. Et quand Dieu est établi dans cette relation ou dans cette dimension de paternité, rassure-toi qu'il commencera d'abord à te donner son règne à lui. Et non seulement son règne, il va te donner sa présence. Non seulement il va te donner sa présence, il dit, tu vas demander le pain quotidien. Et rassure-toi que ce pain quotidien, tu vas l'avoir. Ici, le verbe demander n'est pas comme le verbe de Matthieu 7:7. Dans Matthieu 7:7, le verbe demander, c'est prier seulement. Mais ici, dans la prière de notre Père, le verbe demander,
c'est travailler. C'est se mettre en contact avec Dieu d'abord. Et ensuite, tu auras le pain quotidien. La différence entre les deux dimensions est la suivante. C'est que quand Dieu est ton père, rassure-toi, quotidiennement, les portes seront ouvertes. Rassure-toi, quotidiennement, tu auras ton pain. Rassure-toi, quotidiennement, tout ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder. J'aimerais que quand tu pries, que tu fasses attention à l'ordre des choses. C'est quoi l'ordre des choses? L'ordre des choses voudrait ceci, que Dieu soit d'abord ton père, que tu te rassures d'abord que tu as une étroite relation avec le Seigneur. Et que tel que tu es là, Dieu est d'abord ton papa. Et puisqu'il est ton père, rassure-toi que tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Alléluia. Et je priais, Dieu m'a dit une chose que j'ai aimée. Dieu m'a dit quand nous prions et nous sommes en relation avec lui, rassurez-vous, nous aurons des exaucements qu'on appelle les Nephtali. Dis avec moi Nephtali. Vous savez Nephtali c'est qui? Nephtali c'était un des fils de Jacob. Mais il était fils d'une des servantes de Rachel. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le jour où Bila a enfanté Nephtali, et elle est partie remettre Nephtali bien aimé dans le Seigneur entre les mains de Rachel. Rachel dit ceci dans Genèse 49, verset 21. Rachel dit ceci, que l'Éternel a exaucé ma lutte et je suis sorti vainqueur par rapport à ce combat que j'ai combattu contre Léa. Et pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, si Nephtali n'était pas biologiquement fils de Rachel, mais comment est-ce que Rachel, quand elle rend grâce à Dieu, parce que Bila lui remet Nephtali, elle peut dire qu'elle avait lutté avec sa sœur et elle était sortie vainqueur. Dieu m'a dit ceci. En fait, des Nephtali, ce sont des gens des exaucements où Dieu peut t'accorder dans la prière seulement avec compris à payer la lutte, pas le combat. Alléluia. Parce qu'elle n'avait pas combattu. Elle avait lutté, mais elle dit que l'Éternel a fait d'elle vainqueur par rapport à Léa. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en relation avec Dieu? C'est que Dieu, au lieu d'intensifier le pouvoir ou la puissance de ton combat, Dieu va intensifier les effets des exaucements dans ta vie. Alléluia. Parce que Nephtali, quand il est classé parmi le fils de Rachel, c'est qu'il est seulement venu comme une solution de l'extérieur, mais une victoire pour Rachel. Que Dieu te donne de pareilles victoires. Une chose est de lutter, une chose est de combattre, et une autre aussi en est d'être vainqueur. Mais pour bien aimer avoir des exaucements comme des Nephtali, Dieu va enlever dans ta prière ou dans tes combats l'élément combat. Peut-être la lutte. Parce que lutter ne veut pas dire combattre. Alléluia. Peut-être que tu vas seulement lutter parce que tu veux cela. Mais l'élément combat, Dieu va l'enlever pour te donner juste l'élément victoire. C'est ce qui se passe quand tu es étroitement en relation avec le Seigneur. Il y a des gens qui se battent trop pour beaucoup de choses, mais qui ne se rendent pas compte que Dieu privilégie d'abord ta relation avec lui. Alléluia. Et que Dieu peut même faire au-delà de ce que tu demandes. La Bible dit, il opère avec sa puissance qui agit en nous de la façon infinie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que deux fois quand nous demandons mal. Mais une chose est vraie, quand ta relation avec lui est parfaitement établie, rassure-toi que tu auras des victoires sans combat, mais seulement avec des petites luttes. La prière que je fais pour quelqu'un ce soir est que dans les luttes de ta vie, que Dieu t'exauce. Dans les prières que tu as faites, monter vers Dieu, que Dieu t'exauce au nom puissant de Jésus. Et le bien avec l'intimité, c'est que c'est pendant l'intimité que nos outres se renouvellent. Alléluia.
Nous parlons de la place du Saint-Esprit dans la prière. C'est pendant que nous sommes dans l'intimité, que nous avons notre intimité en parfait état avec le Seigneur, que nos outres sont renouvelés. La Bible dit qu'on ne peut jamais prendre un vin nouveau et le mettre dans des vieilles outres. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit les vieilles outres vont se casser et le vin nouveau va se répandre. Or, c'est quand nous sommes dans l'intimité ou quand nous avons une intimité avec le Seigneur que Dieu prend le soin de renouveler nos outres. Quand je parle des outres, je parle de ta vie comme une piste sur laquelle l'onction, la grâce, la gloire de Dieu sont censées se reposer. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un de vérifier d'abord sa relation avec le Seigneur. De chercher d'abord sa communion avec Dieu soit établie. Et ensuite, tu verras ce que tu demandes. Dieu va te l'accorder. Et va même de certaines choses que tu ne demanderas même pas. Dieu va le faire. Parce que Dieu sait renouveler la qualité de tes outres. Alléluia. Le Saint-Esprit occupe une place indispensable dans la prière. J'ai remarqué une chose, c'est que la Bible parle, bien-aimé, dans le Seigneur, de 1 roi 18. La Bible est en train de parler d'Élie qui a pris le soin de pouvoir arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que tout Israël était dans cette crise d'eau. Et la Bible dit, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie, c'est normal. C'était la crise. Mais il y a quelqu'un que j'ai remarqué qui, pendant que tout le monde ne connaissait pas les réserves d'eau, pendant que tout le monde n'avait pas l'information ou ne savait pas les voies où les sources d'eau se trouvaient, bien aimé, écoutez, la Bible est dans la maison d'Akab, s'il vous plaît. La Bible parle d'un des serviteurs d'Akab qui s'appelait Abdias. Alléluia. La Bible dit, Abdias était un des serviteurs de la maison d'Abdias, d'Akab. Et Abdias, un peu comme différent d'Élie, Abdias connaissait les sources d'eau pendant la période où Élie avait arrêté la pluie. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Le Saint-Esprit est comme Abdias. Ou pendant que la crise y est partout, le Saint-Esprit, lui, connaît les réserves d'eau. Le Saint-Esprit, lui, connaît le puits où se trouve de l'eau pour alimenter et la maison d'Akab, surtout les 100 prophètes que lui-même Abdias est en train de gérer. Alléluia! Parce que pourquoi la Bible dit ceci? Élie, quand Dieu lui a dit d'aller devant Akab se présenter et que Dieu va faire pleuvoir la pluie, la Bible dit il est parti. Et quand il est parti, il est parti devant Akab. Et bizarrement, Akab, au lieu de faire confiance à sa femme, Akab ne parle pas à Jézabel. Akab va parler à Abdias et dit à Abdias, va-t-on prendre les eaux qui sont dans des réservoirs, dans les puits que tu sais là où se trouvent. Et tu vas prendre ces eaux-là, tu vas alimenter avec cela tout Israël. Non seulement tu vas alimenter Israël, tu vas donner au bétail ce à quoi boire. J'aimerais te dire que dans la prière, le Saint-Esprit joue le rôle d'Abdias. Pendant que tu vois que tout est sombre, il n'y a pas d'issue de sortie, il n'y a pas de voie par laquelle la solution ou la réponse peut passer, je te dis, dans la maison d'Akab, il y a un serviteur qu'on appelle Abdias. Abdias, lui, il sait où se trouvent les réserves d'eau. Abdias, lui, il sait comment gérer les 100 prophètes qui n'avaient pas encore fléchi les genoux. Et Dieu m'a dit ceci, avant que la pluie tombe, Abdias est plus important qu'Élie devant les 50, les 100 prophètes de Baal. Vous savez pourquoi? Parce que sans Abdias, la race qui n'avait pas fléchi les genoux allait périr. Parce que Abdias donnait elle l'eau et les pains. Élie, à l'époque, ne se contentait que d'ouvrir de l'eau. Et pourtant, c'est Abdias qui connaissait le voie par lesquelles les eaux pouvaient venir.
Le Saint-Esprit fait exactement le travail d'Abdias. Il fait quoi? Il fait tout justement le travail de ramener ce que les autres n'ont pas vers toi. Le Saint-Esprit fait tout justement ce travail d'aller puiser dans les réserves de Dieu, dans le puits de Dieu, ce que les autres ne sont pas à même de puiser. Ce soir, j'aimerais te rappeler l'ordre de choses. C'est que ton Abdias connaît les issues où viendront les solutions de ta vie. Tes requêtes que tu fais monter à Dieu, ton Abdias les connaît. Je disais, ton Abdias les connaît. Et vous savez, moi, je n'aime pas la maison d'Akab. Parce que la maison d'Akab veut dire confusion à cause de Jézabel. La personne la plus importante de la maison d'Akab, ce n'est pas Abdias d'abord physiquement, c'est Jézabel. Mais en ce qui concerne la crise d'eau de la maison d'Akab, c'est plus Jézabel la personne la plus importante, c'est Abdias. Parce qu'Abdias conserve la race de Dieu. Abdias conserve les êtres qui sont appelés à ne jamais fléchir devant, bien aimé, les caprices ou les séductions de Jézabel. Ce que je veux te dire, c'est que le Saint-Esprit fait au-delà de la prière. Sa place n'est pas seulement dans la prière, sa place est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et j'ai encore remarqué une autre chose. C'est que le Saint-Esprit fait aussi le travail de la maman de Samson. Dans Juges 13, le verset 24 à 25, la Bible dit ceci. Il y avait une femme dont on dit même le nom. La Bible dit seulement elle était femme de Manoach. Cette femme enfanta un enfant qu'elle appela le nom de Samson. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé. La Bible clôture le chapitre 13 par la naissance de Samson. Et directement, le chapitre 14, le premier verset, on dit, Samson grandit et il vit une femme. Qu'est-ce que je veux dire? Le Saint-Esprit fait exactement le travail de la maman de Samson. Vous savez, en matière de discipline, la maman de Samson était plus disciplinée que Samson. Parce que Samson, dans le ventre de sa maman, il était consacré. Il n'avait pas vu de femme qui l'ont tué. C'était encore une sorte de personne qui avait gardé sa consécration. Bizarrement, le fait seulement qu'il est né après et qu'il eut grandi, la Bible dit que Samson vit une femme. Et c'était la première femme. Ensuite, il a eu une deuxième. Et c'est la deuxième qui l'a tuée. Je préfère les Samson qui est encore dans les seins de sa maman, qu'on ne connaît pas les noms, que les Samson qui sort du sein ou du ventre de sa maman, mais qui est prêt à chuter devant deux femmes seulement. Et pourtant, sa maman l'a conservé pendant 9 mois. Alléluia. Je veux te dire quoi par là? En ce cas, le Saint-Esprit t'aide à garder ta sanctification. Imaginez-vous la discipline de la maman de Samson. La Bible dit, pendant que l'ange lui était apparu, l'ange lui avait interdit de prendre des litères fortes. L'ange lui avait interdit de pouvoir se raser même la tête. L'ange lui avait interdit tout un tas de nombre de choses. Et la maman de Samson, dont on tient même les noms, on ne donne même pas les noms. La Bible dit, pendant toute la période où elle a porté la grossesse de Samson, la Bible dit, cette dame avait respecté les instructions que l'ange lui avait données. Et quand l'enfant est né, elle a aussi transmis à l'enfant les mêmes instructions que l'ange lui avait données. Mais la différence entre Samson et sa maman, c'est que sa maman, qui n'a même pas la mission de Dieu, a la capacité de garder la consécration, de garder les instructions de Dieu. Mais Samson, l'homme derrière qui le but de Dieu est poursuivi, l'homme derrière qui Dieu veut délivrer Israël, Samson est incapable de respecter les lois de Dieu, de respecter la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme la maman de Samson. Qu'est-ce qu'elle fait?
le Saint-Esprit te conserve dans un état de pureté. Pendant qu'il sait que quand tu te battras seul, Delilah va te vaincre. Mais quand tu es en lui, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut te vaincre. Parce que la consécration de Samson dans le sein de sa maman ne venait pas de Samson lui-même. Elle venait de sa mère. Mais dès lors, Samson est sorti. Le voilà, bien-aimé, raté le but de Dieu. Tout simplement parce qu'il a été pressé à ouvrir ses yeux et à aller voir une femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit être affaibli ce soir? Toi qui ne sais pas comment craindre Dieu, toi qui ne sais pas comment te sanctifier, je te présente la maman de Samson. Elle, dans son ventre, la chaleur qui est là, te garde dans un état de pureté. Alléluia. Avec elle, bien aimé, tu ne peux même pas aller voir ailleurs. Les yeux de Samson n'étaient pas à même de voir les filles qui passaient parce qu'il était encore dans les seins de sa maman. En fait, tu pèches quand tu sors du Saint-Esprit. Tu pèches quand tu brises ta communion avec le Saint-Esprit. Tu pèches quand tu ne sais plus rester dans le ventre de la femme de Manoac qu'on ne connaît même pas le nom. En fait, c'est ça le piège. Puisque nous ne voyons pas le Saint-Esprit, nous le sentons de foi, ou nous parlons avec lui dans la foi. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous le négligent. Or, c'est exactement la femme de Manoac. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne ce que tu as perdu. Que Dieu te donne cette sainteté que tu as perdue. Que Dieu te donne cette foi que tu as perdue. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Toi qui as vu des choses et des choses, ces choses-là t'ont fait quitter la présence de Dieu. Que la vie de la femme de Manoac s'attache à ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et écoutez ce que Dieu m'a dit quand je priais. Troisièmement, le Saint-Esprit connaît tous les programmes de restauration dans la Bible. Je disais ça autrement. Le Saint-Esprit connaît tout ce qui est restauration dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe en fait? La Bible dit dans Genèse 1 que Dieu crée les cieux et la terre et que le ciel fut un temps et la terre, surtout la terre, était informe et vide. Le Saint-Esprit s'est mouvé, Dieu a restauré la terre. Et dans Ézéchiel 37, on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de l'armée de Dieu qui était passée en état de corps, en un état de chair ou des ossements. La Bible dit, Ézéchiel demande à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment ces choses vont se faire. Dieu dit à Ézéchiel, tu vas prophétiser sur ces eaux. Et quand tu vas prophétiser sur ces eaux, l'Esprit de l'Éternel viendra se reposer sur ces eaux. Et ces eaux-là vont reprendre. Et Dieu m'a dit une chose que j'aimerais te dire aussi. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'était parce que déjà une partie de son armée avait connu la résurrection. C'était normal que Jésus-Christ ressuscite. C'était normal que les os de Jésus ne restent pas dans la terre ou sous la terre. Parce que c'est lui le représentant de l'armée de Dieu. Une partie de son armée avait déjà connu la résurrection. Et lui, le chef de l'armée, devait aussi ressusciter. Et même ceux qui penseraient que Dieu a leur dette de résurrection. Paul dit ceci aux Thessaloniciens. Paul dit à un signal donné, à la voix d'un archange, au son d'une trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ah bon? C'est que le programme de résurrection et de restauration, c'est le Saint-Esprit qui en a. J'aimerais te dire que Dieu ce soir va restaurer des choses. Toi qui étais en état de peau, qui vois maintenant ta vie être en état de ossements, je te dis, il y a un programme qui va s'exécuter en ta faveur ce soir. Parce que Dieu est là pour ressusciter les choses. Je disais, Dieu est là pour ressusciter les choses. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est que le Saint-Esprit n'aime pas l'odeur de mort en Jésus. Il ressuscite les ossements de ceux qui meurent en Jésus.
Et une partie de l'armée de Dieu était déjà ressuscitée. Et nous aussi, bien aimé, nous avons la promesse de connaître la résurrection. Parce que le Saint-Esprit connaît le programme de résurrection. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dois avoir peur. Parce que l'Esprit que tu pries, l'Esprit que nous prions en ce lieu qui est en ce lieu, a cet agenda de restauration. Je ne connais pas les défis de ta vie. Mais ce que je sais, peu importe le nom de ton défi, je connais le nom d'un Esprit de Dieu qui est capable de ressusciter l'armée de Dieu dans la terre. Et Dieu m'a dit, vous savez pourquoi est-ce que le monsieur qui quand il est mort et qu'on l'accompagnait pour l'enterrer, la Bible dit quand sa famille a vu les marchés des Philistins venir envahir Israël, la Bible dit sa famille l'a jeté. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il est parti toucher les ossements d'Élisée. C'est que l'esprit d'Élie qui était dans Élisée avait déjà la capacité de ressusciter un mort. À combien plus forte raison l'esprit de l'Éternel. J'annonce la restauration. J'annonce la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses restaurent dans ta vie. Que les choses ressuscitent au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu m'a dit une chose une fois. Partout où la vie t'a dit non, le Saint-Esprit peut écrire ton nom. Partout où la vie t'a dit non, le Saint-Esprit, lui, il peut écrire ton nom. Vous savez que pour ces messieurs, sa famille lui avait déjà dit non. Mais l'Esprit qui était encore sur les eaux d'Élysée a écrit son nom. Ne perds pas l'espoir. Ne change pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Continue dans ce que tu fais. Continue à chercher Dieu. Là où il y avait le nom de ta vie, le nom que tu portes va être écrit sur cela. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu m'a dit aussi quelque chose que j'aimerais te dire. Que le Saint-Esprit joue le rôle de catalyseur dans la prière. Je crois que John l'a dit hier. La Bible dit, faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières. Et vous savez, un catalyseur, c'est quoi? Un catalyseur, c'est un élément chimique qui a comme but de renforcer la capacité des réactifs qui entrent pour le mélange chimique, bien aimé, ou la réaction chimique. Et Dieu m'a dit, quand nous prions, nos prières sont des réactifs. Et ce que le Saint-Esprit fait, il fait justement le travail de renforcer, soit de préciser tous les réactifs que nous faisons monter vers lui. Et après, pour chaque réaction chimique, bien aimé, quand on parle des réactifs, on doit aussi parler des solutions ou des mélanges qui sont l'image des exaucements. C'est que quand nous prions, le Saint-Esprit vient, il prend tes requêtes. Il n'a pas peur que tu fasses toutes sortes de prières. Parce que chez lui, ce sont des réactifs. Et c'est lui qui a la capacité de prendre ces réactifs-là, de renforcer cela, afin que la solution chimique soit la solution spontanée. Et l'apôtre Paul dit, le Dieu que tu pries a la capacité de résoudre proprement tout ce que tu veux. Alléluia. Dieu n'a pas peur de te répondre. Dieu a seulement besoin que tu pries selon le Saint-Esprit. Lui-même, il prend tes faibles mots. Lui-même, il prend tes petits langages, tes mots pauvres là. Il est le catalyseur. Il prend ce que tu n'arrives pas à parler. Il renforce cela. Voilà pourquoi des fois tu n'as pas demandé l'argent. Dieu te donne l'argent. Tu n'as pas demandé les enfants. Dieu te donne les enfants. Vous savez ce qui s'est passé pendant 30 matins. C'était un samedi. J'étais dehors. Le pasteur est en train de faire le service. Les offrandes. Il a dit ceci. Il va prier pour ceux qui ont besoin du travail. Moi, j'étais dehors. Et Dieu m'a dit, Marc, toi, tu ne vas pas prier parce que tu n'as pas le travail. Tu vas prier
Parce que Dieu veut changer ton travail. Et notre papa dit ceci. Même si tu travailles, attends-toi à un bouleversement. J'ai senti dans mes oreilles, j'étais dehors, comme quelqu'un qu'on est en train d'amener quelque part et de signer quelque chose. J'ai regardé tout ce que j'avais dans mes poches. Je pris ça, j'ai donné à Dieu. Et j'ai dit aujourd'hui, je n'irai même pas au travail. Tu rentres à la maison. C'était un samedi. Les dimanches, bien aimés de la même semaine, une maman que j'encadre m'appelle. Je ne savais même pas qu'elle avait des relations quelque part. Elle m'appelle pour me dire, mon fils, viens. Il faut que je fasse pour toi quelque chose. Je ne savais pas ce qu'elle disait. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je veux te changer le travail. Bien aimé, j'ai eu le frisson dans mon corps. Je me suis dit, vous allez me changer le travail. Elle me dit, oui, je veux te changer le travail. Je me suis dit, waouh, quel est ce travail? Elle me dit, je veux te prendre pour te faire engager à l'INSS. Je me suis dit, waouh, à l'INSS. Elle me dit, je veux faire de toi un chef de beaucoup de gens. Je me suis dit, bon, vous savez ce que la maman a fait? Elle a pris mon dossier. Le lendemain, elle a seulement écrit engagement urgent. Je ne savais pas comment ça s'est passé. Je ne savais pas qui lui avait inspiré ces choses. Mais elle a pris mon dossier. Elle a écrit dessus engagement urgent. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'était le lundi. Je suis parti travailler. Un numéro inconnu m'appelle pour me dire, monsieur, votre matricule est sortie. La dame, la ministre des prévoyances sociales a signé. Vous allez commencer le travail. Et plus grave encore, au lieu même que la date d'engagement soit la date où la dame avait signé, on a antidaté mon engagement. Ah bon? Donc pendant que moi je venais chercher Dieu pendant les 30 matins, Dieu avait pris le soin de m'engager déjà. C'est pour te dire, il n'y a pas quelque chose dans ta vie que le Saint-Esprit ne maîtrise pas. Toi qui cherches le travail, Dieu va te donner cela. Dieu m'a dit une chose, partout où la vie t'a dit non, moi ton Dieu, je vais écrire ton nom. C'est ça ma devise. Je ne sais pas s'il y a des gens ici à qui la vie a dit non. J'ai entendu seulement la voix de Dieu auprès de mon pasteur. Et Dieu m'a dit, Marc, vous savez, même mon premier travail, c'est mon pasteur qui me l'avait dit. Il m'a dit, Marc, je vois que Dieu veut changer ta vie. Je dis, merci papa. Bien aimé, la semaine qui a suivi, j'étais avec John. On est parti faire un test et on a reçu. Les points que j'ai fait dans ces tests-là, je les faisais aussi dans les autres tests. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette fois-ci, les points, bien aimé, se sont fait suivre de l'engagement. Mais cette fois-ci, la dimension a changé. Je n'ai pas fait l'interview comme auparavant. Cette fois-ci, en tant que chef, Dieu m'a enlevé, bien aimé, les idées des interviews. Je suis engagé sans interview et comme chef de service. Quand tu cherches Dieu, Dieu va te donner des exaucements qu'on appelle les Nephtali. Je disais, ton Nephtali arrive. Toi, tu vas seulement lutter. Tu auras la victoire. Et Dieu va te donner la victoire. C'est ça ton Nephtali. Et c'est là que nous sommes pour nous dire, nous sommes Saint-Esprit à côté de Kamboy. Je ne connais pas les noms de ton défi. Mais je connais le nom d'un Dieu capable de tout changer. On a changé, il change toutes choses. Est-ce que tu crois avec moi qu'il change toutes choses? Tu peux te tenir debout. Pour Bangate, les prières que tu vas faire ce soir, ce sont des réactifs.